Bonjour! Est-ce que ça vous branche de savoir comment oser au restaurant? Parce que bien souvent, quand on va au resto et qu'on commande quelque chose, on s'attend à bien manger. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Du risotto aux truffes. Et là, ça c'est mon assiette. Ouais. Ça ressemble à de la bouillie. Je me suis dit que j'allais quand même goûter. C'est pas terriblement bon. Et là, on va voir s'ils vont me poser la question. Ça a été mademoiselle ou madame? Hein? Vu mon grand âge. Donc, je vais dire la vérité. Oser dire la vérité au restaurant. Il n'y a pas de raison qu'on paye pour un truc qu'on n'aime pas, quoi. Moi, c'est terminé, ouais. Ça va? Bah, en fait, non. En fait, non. C'est un peu... C'est cuit, fort cuit. Ouais. Et beaucoup de sauce. Enfin, c'est écœurant, quoi. C'est bon. Ouais. On attend un peu. Non, c'est bon, vous pouvez prendre le plat. Hein. Après, bon, pour me faire plaisir, vous pouvez m'offrir un dessert, quoi. C'est pas moi qui sais faire. C'est à qui qu'il faut demander? Le pain. Il est là-bas. Vous lui demandez, il va bien m'offrir un petit truc. Je vais vous offrir le café et un petit digestif. Comment? Un petit digestif après, si vous voulez, un café. Ah, donc je dois manger liquide. Bah, quand tu prends l'avion. Ah, bah, ça fera plus de. Vous offrez ouais, ils ont fait mettre un petit gâteau en plus. Ah, ça c'est cool. Quand je vous dis qu'il faut oser demander. Regardez, j'ai eu un dessert gratos. Un thé. Voilà, il n'y a aucune raison de partir le ventre vide du resto. Est-ce que vous allez oser faire la même chose? C'était Belly qui vous dit, mettez-moi un gros like sur cette vidéo et partagez-la. À bientôt.